Hello tout le monde, c'est Bruno 87 pour un nouvel épisode sur Knights of Azure. Donc on était ici, on va continuer notre petite quête, gentiment, gentiment. Donc voilà, on a directement l'endroit qui se débloque. Donc on pourra directement s'y rendre, et ça c'est cool. Par contre je vais mettre au niveau de l'outside, yes. Comme ça on peut continuer gentiment la quête. Donc alors, attendez, je vais les convoquer, encore un, voilà, comme ça on est bien. Ça va peut-être se faire un petit peu de, comment dire, de points d'expérience. Et aussi, en étant directement au début finalement, ce qui est pas plus mal, parce que je sens qu'à la fin, on va dire, de cet endroit, il y aura sûrement un boss qui va bien nous faire chier. Donc voilà, bon, faut pas oublier que lors du dernier, enfin vraiment à la fin du dernier épisode, j'ai pu augmenter de niveau. Donc du coup ça m'a permis quand même de, voilà, de gagner quelques points ici et là, et ça c'est cool. Donc voilà. Et en plus, étant donné que j'ai pu débloquer la possibilité de porter un troisième objet, ce qui m'a permis de finalement me consacrer aussi un peu à la défense ou au PV, je me souviens plus ce que j'avais. J'ai opté finalement. Et finalement quelque chose d'assez utile pour l'aventure. Voilà. Après je n'ai aucunement idée jusqu'à quel niveau on pourra augmenter. Mais tout ça pour dire que finalement il faudra quand même, je pense, vraiment grinder. Si on souhaite après augmenter finalement le niveau, quoi. Donc voilà, j'ai fait méga heal pour me soigner. Voilà, c'est bon. Et on peut continuer. Ok. Donc voilà, ici, très bien. Ah voilà, il y a ces flics qui sont un peu chiants, attention. Ah putain, attention, vas-y, lève-toi. Ok. Allez. On vise, on vise. Allez, on vise. On vise un. Et on attaque. On vise un autre. Je pense que comme ça, on est beaucoup plus efficient en visant toujours un seul à la fois. Attention. Voilà. Oh putain. Allez. En plus, maintenant j'ai une quête ouverte et je dois en tuer 10 de ces types-là. Ils sont finalement assez chiants à battre. Voilà. Il est pas mort, il est pas mort, mais bientôt. Allez, attention. Heureusement que j'ai suffisamment de PV et de défense. Oh. Attention. Voilà. C'est bon, il est mort. Elle est allée. Non, pas encore. Attends, on fait un petit dernier coup. Je vais peut-être, quand j'aurai l'occasion, d'augmenter la force de ce mouvement. Parce que bon là j'ai l'autre arme. Ah, j'ai aussi ça comme arme. Oh. Ok, donc finalement j'avais ça, que j'avais débloqué une autre arme. J'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Ça c'est cool ça. Comme ça je peux jouer, on va dire, à distance, et ça c'est cool. Ça c'est cool, regardez. Tac 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 tac. Ça c'est cool ça. Et si, et c'est quoi son mouvement spécial? Ok. Ah, j'aime beaucoup. Il suffit juste de viser. Et puis après c'est bon, quoi. Oh, c'est bon là. Ah, c'est bon. C'est pas mal. C'est pas forcément la meilleure arme au monde, mais c'est déjà pas mal. Donc ici je pense qu'il y aura peut-être un boss. Je ne sais pas. Ah non, pas encore, c'est après. C'est après qu'on pourrait continuer, on est arrivé jusqu'ici, c'est juste. On est arrivé jusqu'ici. Alors. Oula. Tac 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 tac. Ok. Oh, c'est vraiment enfin, appuyer comme un dingue sur le bouton. Allez. Ah, par contre tu peux pas tirer en l'air. On va changer. En fait, je change un peu de gameplay aussi. Tac. Voilà. Parfait. Ok.
Tac, c'est bon. On n'a plus trop d'SP finalement. On n'a plus beaucoup d'SP. Allez, on enchaîne. Voilà, tac, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Alors, est-ce qu'il y en a encore ici, hein? Est-ce qu'il y a encore un ennemi? J'ai pas l'impression. Oula. Allez, tac. Ça c'est fait. Elles sont un peu embêtantes. Faut juste faire attention quand il y a le cercle rouge là qui apparaît. Voilà, parfait. Parfait. Ah, il y en a encore un. Encore une. Ça doit être une fille. Attention. Ok, parfait. Allez, tac. C'est bon. Ou pas. Non, c'est pas encore bon. Non, non, c'est bon. Allez, on finit d'enchaîner celle-ci. C'est bon. Voilà, et ça nous ouvre le passage ici. Alors, on continue gentiment. Attention, ceux-là, ils explosent. Voilà, attention. Hop là. Ok. Parfait. Là. Donc, je rentre gentiment dans la dernière zone. Voilà. On fait l'enchaînement spécial. Je vais essayer peut-être d'en éliminer certains plus rapidement. Voilà. Oh là, attention. Ouh. Faut essayer de garder un maximum. Alors attendez, je vais utiliser mes guerrilles. Voilà. Ouh, un bonus de défense, c'est cool. Parfait. Parfait. Ah, attendez. On revient de là. Ah, il y a une salle ici. Ah, voilà. Bonus blood 1300. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Alors lui, on va directement s'en occuper. Vas-y, explose. Oh, attention, voilà. C'est bon, plus qu'une. Attention. Voilà. Ah, encore un. Attention, voilà. C'est bon. C'est bon. Allez, maintenant c'est bon. Ok. Alors ici, Church Defiant God. Est-ce que si je les casse ces trucs, c'est grave, docteur? Bon, je vais pas tous les casser. Hein. Alors, attends, il y a quoi ici? Ah. Peut-être pour acheter quelque chose, mais non. Il est juste là. Pour rien. Ok, attends, on est tombé direct. Ça m'a fait un peu flipper. Je savais pas si c'était le bon endroit finalement. Ok, donc là c'est forcément une zone d'un boss. C'est obligé, ouais voilà. C'était obligé. Ok. Ah, c'est pas n'importe qui. Elle ressemble étrangement. Alors attends, on va directement faire. Ouh, oh là. Oh, Moon Rabbit. Stylé. Je connaissais pas celui-là. Je connaissais pas celui-ci. Je sais pas d'ailleurs comment on débloque finalement. Ah voilà, je vais essayer ça. Ok, ok. Attends, ah mais du coup ils sont tous partis. Ah putain, ils sont tous partis mes potes. Putain, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton, on fait chier. Attention, j'essaie d'éviter ces mouvements. Putain, et puis d'arriver à... Fuck. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud. Attends, comment on se protège? Ah putain, même pas le temps de me protéger finalement. Donc on restart direct. On restart direct. Et là c'était chaud quand même. Là c'était chaud, en plus j'étais en Moon Rabbit. C'était même pas super efficient. C'était même pas super efficient. Ah là je les convoque tous, voilà. Allez. Vas-y, vas-y. Faites des dégâts les amis. Attention. Ok. Oh putain. Surtout qu'il me faut celui qui me soigne parce que sinon ça va pas le faire. Putain, mais ça enlève tellement peu de vie. Oh.
plus, c'est difficile de la viser finalement. Ok, parfait. J'ai réussi à lui faire quand même quelques dégâts. Ah, tac. Attention. Ah, mais attends, j'ai ça. Ah, voilà. Parfait, comme ça je peux essayer. Et puis eux, ils vont s'amuser à faire ce genre de choses. Ah, mais moi, je vais rusher comme ça. Hein. Oui, rusher, c'est abuser du bouton, on va dire ça comme ça. Ouh! Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, en même temps, je suis loin, là. J'étais loin. Bon, ça m'a pété ma chaîne, finalement. Allez, vas-y. Et soigne-nous. C'est du coup, franchement, pas le plus beau combat au monde. Mais attention, cette merde-là. Après, du coup, je vais pouvoir me transformer... Bientôt, bientôt. Putain, là, c'est tellement abusé, là. Vas-y. Là, du coup, je suis encore en lapin. Pourquoi? Vas-y. Oh, putain. Attention, les gars. Oula. Ok. Oh, putain. Elle enchaîne bien, là, quand même. Vas-y, vas-y. Ah, putain, mais du coup, elle était déjà en normal. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors attention, on continue. Allez, utilise les méga heal. Ok. Bon, du coup, comme ça, finalement, ça va être beaucoup plus simple. Et du coup, je suis content. Allez, vas-y, 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 vas-y. Continue, continue, continue. Voilà. Voilà, tu vois. Et je te fais un combo de 220. Voilà, parfait. Finalement, c'était le combat presque le plus facile au monde. Touk. Voilà. Parfait. Nickel. Looks like monster... Ok, donc elle dit que la plupart des monstres ont été battus. Est-ce que c'est ça, le bleu altar? Ah, il y a un téléphone en plus. Bah oui, il y a forcément toujours un téléphone. Quel est ce coffre? Lui demande-t-elle. L'objet à l'intérieur localise le bleu altar, regarde. Ok. Donc je pense qu'en le posant comme ça, il va nous montrer la voie, j'imagine. Donc là, il lui fait la petite prière. Ah, c'était ça, le fameux truc qui était dans notre chambre. Ah, mais c'est un bébé Chris. Enfin, un bébé, un minuscule Chris. Donc elle parle de que le Blue Altar est connecté. Est-ce que vous souhaitez, on va dire, sceller la nuit, même que ça vous en coûte la vie? Voulez-vous vous battre contre la nuit, même si ça vous en coûte la vie? Oui, il le vole. Et ouais, vous êtes stupide. Ah, et quoi, il dit que c'est un faux altar? Ah. En fait, c'est un faux altar, c'est juste pour justement qu'elle leur prouve leur sincérité, qu'ils veulent vraiment se battre contre la nuit. En gros, c'est ça qu'elle essaie de déterminer, Chris. Donc quoi, en gros, c'est ça. Donc là, elle se dit juste qu'elle s'aime beaucoup, malgré qu'elle soit devenue une sainte. Enfin voilà, elles tiennent l'une à l'autre et elles essayent mutuellement de se protéger. C'est mignon. C'est kawaii.
Yes, and what you meant when you told me to keep. Voilà, maintenant elle comprend pourquoi elle lui a donné la bague finalement. C'était, je pense, que ça faisait office de protection. Ok, très bien. Donc là, elle se réconcilie, on va dire, entre guillemets. という理由だけであなたを戦いの道具としてDonc voilà, là elles vont se protéger mutuellement, elles tiennent l'une à l'autre, et c'est mignon tout plein. Voilà. Et en plus, elles vont faire une jolie petite danse. Ou pas. Voilà, quand même, c'est mignon. Ok. Est-ce que là, du coup, on a encore fini un autre chapitre? J'ai l'impression que ça va se finir assez rapidement, ce jeu. Si c'est le cas. Attends, juste que le monsieur finisse de parler. ミラダは半月までその姿を戻した。教皇庁はこの奇跡を自分たちの手柄として吹聴するだろう。言いたい奴には言わせておけ。夜を止められるのは夜の血を浴びてなお人の心を失わぬお前だけだ。くれぐれも裏切るなよ。 Donc en gros, pour résumer, il n'y a qu'une seule personne qui pourra finalement sauver, gagner. De ce que j'ai compris, c'est seulement quelqu'un qui possède justement le sang démon, finalement. Bonjour, bonjour. Mais bien bonjour les petites filles. En tout cas, ce qui est sympa finalement, c'est que l'utilisation de l'arme là un peu style arbalète avec des lasers et tout, ça m'a permis finalement de gagner assez facilement ce combat. Et ça, du coup, j'ai vraiment apprécié. Donc finalement, ce qui est quand même dommage pour un RPG, bon, celui-ci qui fait finalement aussi office un peu d'action RPG, ah bah oui, finalement, on a fini ce quatrième chapitre. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce qui est un peu dommage
c'est qu'on croise pas grand monde, alors que dans tout bon RPG, on en croise des masses. Alors, on va lui. Alors, Potion of Damage, DLC Absorb. Non. On va lui faire augmenter encore l'attaque. Comme ça, elle monte à 253. Ouais, c'est ça. Elle monte à 253. Ok. Donc, c'est très bien. Alors, on va dire que tu te soignes par rapport au statut négatif. Allez, il y en a plein qui montent là. Ouh! Ok, Rare Slash 2. Ok, parfait. Donc Foucault n'a pas augmenté. Ouais, eux, je pense qu'ils vont augmenter aussi. Ok, donc HP ou SP? Allez, SP. Spécial. Dex. Bon, il a appris une nouvelle habilité. Enfin, une nouvelle compétence. SP. Qui augmente plus rapidement. Parfait. Donc en plus les petites activités du jour comme d'habitude. Donc voilà, on en gagne certaines, on a gagné quelques armes. Faudra que je regarde à l'occasion. Donc là on nous demande vite de sauvegarder. Très bien. Donc je pense, enfin je pense, je suis quasiment sûr, j'ai regardé, mais en fait, enfin je suis quasiment sûr, je suis sûr à moitié. Mais quand j'ai regardé, j'avais l'impression qu'il y avait 7 chapitres. Donc là, on est déjà au cinquième finalement. Ok, donc ça c'est bon. Non, c'était pas lui que je voulais parler. Donc, petit event, comme d'habitude. Il dit que ça c'est un faux. Sais pas ce qu'ils disent que c'est un faux. Ah, donc par rapport à une collection de diamants. Nanana. Il va collectionner tous les diamants, d'accord. Bon, c'est pas ça, pas vraiment de rapport avec comment dire, avec le scénario principal, mais du coup, on a accepté une quête. Finalement, c'est une quête dans le sens quête secondaire. C'est très bien. Il va nous demander finalement de trouver des joyaux, de ce que j'ai compris. Donc voilà, moi je voulais aller là. Ok, encore 2 jours, très bien. Ok, parce que lorsqu'on verra ici les quêtes, donc, non, pardon, le scénario. Ah, donc en fait on a encore cette partie-là du chapitre 4, ok. C'est déjà ça, hein, c'est déjà ça. Donc elle semble heureuse, mais peut-être du coup ça va quand même se terminer assez rapidement. Ok, donc ça on n'a toujours pas pu compléter. Ça non plus, ça s'est pas débloqué, mais maintenant il y a ça. Ok. On pourra faire ça le cas. Oh, attendez. J'ai vu que j'ai 24 000. Faut voir si... Je vais voir si finalement j'ai suffisamment pour augmenter au niveau 6. On va passer ça rapidement. Ok. Juste pour avancer finalement dans la quête. Voilà. Ah, hôtel cherche. Oh. Ah bah du coup ça a augmenté cette partie-là. Donc elle demande si elle va aller quelque part. La Starlight Sky. On va faire un pique-nique. Donc voilà, on va devoir lui préparer un pique-nique. Tout à fait. Ok, bon en tout cas, c'est bien pour... C'est bien pour, comment dire, la suite des événements. Ah, regardons voir. Ok, ça c'est une lettre de je sais pas qui. Alors, nanana, track down the following. Ok, attends, des trésors. Ok, des trésors comme ça, cachés. Mais est-ce que c'est par rapport à ça? Non, j'ai pas l'impression. Alors, ah, on doit aller là. Non. On doit aller où? Au château en ruine. Tout pour jouer avec Lilith. Elles sont juste derrière l'artisan quarter. Ok, très bien. Très très bien. On va juste parler à Alucard. Mais très vite, hein, de manière très rapide, pour justement avancer. Donc il demande si on apprécie la vie sur cette île. Les nuits sont longues.
Et chaque combat contre... comment on dit, contre les démons lui pèse beaucoup. Ah, elle nous a dédicacé une musique. Et du coup, on a... Ah. Du coup, ça nous a ouvert une nouvelle quête. Ok, très bien. Écoutons gentiment sa musique. C'est une très très jolie musique, n'est-ce pas? Oh, dozo. Très bien. Alors attendez. Donc on va aussi... Bon, ça c'est rien toujours de spécial. C'est... Je sais pas finalement ce que ça fait de parler à ces énergumènes. Ah, mais le chat c'est important. Ah voilà, on a reçu des ordres officiels. Merci d'utiliser la ferme. Hein? On a accepté un ordre officiel. On a payé 9 millions. On a payé 9 millions. C'est du foutage de gueule. Je pense que c'est une blague. Hein. Et du coup, je pense que ça m'a juste ouvert finalement une activité. Alors attendez. Là, j'ai ça. T-break, ok. Playing cards. Pressing flowers, ok. Lecture. Part-time, side job. Ok. Alors attendez. Moi, il me faut, c'est du finesse. Finesse, c'est là. Ok, bah là, je vais prendre ça. Ok. Et ensuite, bah, je vais faire juste ça directement. Finesse, tac. Faire que ça. Faire que ça, comme ça, ce sera très bien. Ok. On va juste de nouveau parler à ce petit. Oh! Bon, il est super mignon à part ça, hein, Plumi. Je sais pas trop finalement ce que ça fait là, ces trucs. Parce que du coup, est-ce que ça les augmente? Non, parce qu'il est toujours pareil, niveau 3. Attends. Ah, c'est toujours pareil finalement, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce délire. Mais c'est pas grave, on va, si vous le voulez bien, aller au Altar of George. Altar of George. Juste pour terminer l'épisode, juste avant, je vais voir si j'ai suffisamment d'argent. Et non, c'est 31 000. Ok, très bien. Donc on va rester là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss les gens!